Hey, salut tout le monde, c'est Max Games, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top, et puis aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Et oui, un nouveau jeu, comment dire, pas trop un jeu, hein. C'est un petit jeu tranquille qu'on va faire ensemble, que vous connaissez sans doute, parce que plein de youtubeurs ont fait ce jeu. Et puis, mais bon, on va le faire à ma manière. À ma manière, bon, c'est un jeu quoi, c'est le même jeu pour tout le monde, mais comment dire, sans coupage, sans rien, on va le faire au feeling. Bon, on verra, c'est un jeu tranquille. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc, on va commencer. Niveau, on va prendre quoi? Facile, moyen ou difficile? Bon, on commence par facile, on verra si on fera plus difficile plus tard. Allez, commencez. Bon, vous connaissez le principe. Devinez ce que les internautes cherchent le plus souvent sur Google et qui commence par ces mots. Qui a inventé la machine à coudre? Oh! Oh là là! Et on commence très très bien, on va dire. Et on a trois vies, je tiens à préciser. Qui a inventé la machine à... je vais mettre une connerie. Ouais, je me disais, c'était... Qui a inventé la machine à... Machine à coudre, machine à... La machine à laver? Apprendre. Merde. Ah, je l'ai mal écrit. Oh, punaise, le con, j'ai perdu une vie pour rien. La machine à... Bah non, c'est sèche-linge. Sécher, apprendre. Pff. Ok. Machine à coudre, à écrire. Ok, la machine à vapeur. Machine à calculer. Ok. Machine à café. Ah oui, merde. Machine à tisser. Ouais, pas top. À remonter le temps. Machine à remonter le temps, mais sérieux, il y en a qui tapent n'importe quoi. Pourquoi les parents sont gentils? Le mec, il veut bien savoir. Non. Sont mes parents. Ça se trouve. Ah non, il n'y a pas. Bon, je sais pas. Sont ensemble. Là, je vais faire à zéro pointé, je le sens. Ah, sont chiants! Mais sérieux, il y en a. Se séparent. Demandent le baptême. Se disputent. Sont méchants. Oh, sont chiants, c'était pas. Non, j'avais mis quoi? Oh, je sais même plus. Ne nous comprennent pas. Sont méchants. Il y a deux fois sont méchants. Bon. Voilà, il y a des petits bugs dans le logiciel, on va dire. Veulent qu'on leur ressemble. Oh là là. J'aurais jamais trouvé ça, moi. Peut-être le son chiant, mais. Les Allemands sont-ils roux? Oula, contrôle. Il y a eu un petit contrôle. Contrôle V, je crois. Les Allemands sont-ils roux? Non. Les Allemands sont-ils. Sont-ils grands? Non. Mais non, ça va pas être ça. Ça... Qu'est-ce que ça pourrait être? Les Allemands sont-ils gentils? Non, mais non. C'est pas ça. Intelligent? Non, c'est pas ça. Sont-ils forts? Non, mais non, c'est... Les Allemands sont-ils allemands? Non, bah non, on va pas mettre. Les Allemands sont-ils allemands? C'est pas logique, on va mettre... Les Allemands sont-ils... Nazis? Ah mais, attendez, j'ai déjà vu une vidéo... non. Nazis, attends. Oh, le con! Ok, bon, j'étais loin. Raciste, de bons amants, beau, heureux, sympa, romantique, gentil. Gentil, je l'ai mis, non? Oh, je sais plus. Non, je voulais le mettre, je l'ai pas mis. Oh, le con. Gentil, accueillant. Ah, oh, cherche trop compliqué. Qui a écrit... Oh, vous connaissez des livres là? Harry Potter. Le Seigneur des Anneaux? Oh, sérieux? Qui a écrit un bon livre? Oh, mais je connais pas moi. allez, le truc qu'on apprend au collège. Sauvage. Oh, punaise. La Bible, la Marseillaise, Cendrillon, l'encyclopédie. Encore les... La Bible, la Marseillaise, l'encyclopédie. Mais Cendrillon, sérieux. Les Trois Mousquetaires. Alice au pays des merveilles. Le Petit Prince, l'Iliade et l'Odyssée.
Oh là là, je suis hors sujet. Comment vendre son frère? Le fou. Non, il n'y a pas ça. Ah, c'est dommage. Imaginez. Comment vendre. Comment vendre sa maison? Ah, voilà, bim, sa voiture. On va faire les trucs du quotidien. Yes, allez, une voiture. Oh, ça va, ça. Comment vendre son chien? Ah non. Comment vendre son PC? Ah, finesse. Comment vendre sur eBay, sur Le Bon Coin, sur Amazon? Mais sa voiture, je l'ai mis en plus. Oh là là. Fallait que je mette deux fois quoi. Son âme au diable. Un produit. Ok, bon. Oh, ça va, j'ai eu. Attendez. 2400 euros. Ça va, ça va. Allez. Qui est l'homme au monde le plus fort? Hein? Le plus grand? Ah, je préfère. Hein. Le plus musclé. Ah, voilà, bah on commence à en trouver. Le plus intelligent? Comment... Attendez, je fais des fautes, ça se trouve. Le plus gentil. Non! Le plus riche. Oh non, le plus petit. Ah mais oui, grand, mais il y a le plus petit aussi. Le plus rapide, le plus musclé, puissant, c'est pareil. Oh là là, je sais pas. Ah mais je l'avais mis. Puissant, beau et dangereux. Ah. Ok. Faut bien réfléchir en fait dans le jeu. Plus que 4 manches, allez. Ma femme est-elle fidèle? Ok, mais j'ai pas de femme donc je peux pas vous. Gentille? Non. Belle? Non. Est-elle. J'ai envie de mettre un truc, mais non. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, Matt? Cuisinière. Je sais même pas si ça se dit. Ma femme est-elle enceinte? Bipolaire, frigide, manipulatrice, borderline, amoureuse, un bon coup. Un bon coup. Sérieux. Il y en a qui cherchent ça vraiment, punaise. On se moque de mon prénom. Allez. Voilà. Mon nom. Oh, il a compris. Heureusement, j'avais mis un petit apostrophe. Mon nom. On se moque de mon. Ah, bah non, ça marche pas. J'ai pas dit. On se moque de quoi aussi? On se moque de mon physique. De mon intelligence. Non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher d'autre? Donnez-moi votre avis là en commentaire. Qu'est-ce qu'on peut. On se moque de mon. Ah ben non, je suis bête. Je suis en vidéo. Je peux pas vous. Je peux pas savoir. Je peux pas lire vos commentaires en direct. Hein. Désolé. On se moque de mon nom, mon physique, prénom, de mon handicap. Hein? Même pas? Oh là là, il y en a qui recherchent. De mon nez, de mon poids, ah oui, de mon accent, de mon copain, de mon fils. Pff, ouais, il y en a qui cherchent des trucs des fois. Patrick. Bon, bah. Mais attendez, c'est le Google français ou. Ou le Google mondial, quoi. C'est mondial, parce que sinon, Patrick Sébastien direct. Patrick. Chirac. Camping, voilà, vous avez compris. Patrick, comment il... Patrick. Comment il s'appelle, merde? Patrick, bon, on va faire ça. Ah, c'était sûr. Oh, je sais pas après. Hop, Patrick Bruel. Ok, oh, ça doit être le français. Oui, bah, je suis bête, c'est des phrases en français donc. Patrick Bruel, Patrick Fiori, Patrick Juvet, Dempsey Henry. J'en connais aucun, je connais que Bruel, mais je... Dernière manche, la lune est-elle blanche? Non. Lumineuse. Grosse? Ah, j'ai perdu!
Un astre. Fin de la partie. Bravo, vous avez obtenu le score de 6200 points. Si vous avez apprécié Googlinette, n'hésitez pas à partager ce jeu sur les réseaux sociaux. Ok, c'était quoi là? Un astre, une source primaire, toujours visible, vivante, une étoile, creuse, une planète, un satellite. La vraie réponse est la dernière, allemand, avec un moins de points. Bon, ok. 6200 points. On en refait une? Un fiasco. Non, était. Mon mariage a été magique. Mince, je l'ai mal écrit. Punaise, une catastrophe. Mais un fiasco, c'est pareil. Oh, il chipote dans le jeu. Raté, annulé, gâché. Une vengeance, arrangée. Un conte fait original. Il chipote vraiment dans ce. Comment dit-on je t'aime en anglais? Hey. Même pas en allemand. Allemand. Comment on écrit allemand? Ah oui. Hein? En italien. Non! En espagnol. Mais non, mais je fais. Attendez. Je fais l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie. Trois pays qui sont presque autour de la France. J'ai pas fait l'Espagne parce que voilà, j'ai que trois chances. Et c'est le truc qui donne le plus de points. Non mais sérieux. Espagnol, japonais, russe. Je voulais mettre russe juste après. Portugais, norvégien, breton, coréen, hébreu. Oh sérieux. Sérieux. Michel Sardou. Allez, bim. Hop, déjà. C'est fait. 400 points. Bim. On commence bien. Au bout de 3 manches. Michel Galabru. Allez! C'est qui le papa? Michel Derzakarian. Bon, tous ceux qui. Les footballeurs, vous devez connaître. Derzakarian, hop. Mais ça m'étonnerait qu'il. En plus, j'écris mal. Bon, tant pis. Michel Platini. Même pas? Oh non, mais sérieux. Michel. En plus, souvent, c'est des vieux acteurs, tu vois. Ou des vieilles personnalités. Non, non, ça y est pas. Les mecs. Michel Delpech. Ouais, bon, je connais pas trop. On ferait. Michel Drucker. Oh, sérieux. Michel Berger. Michel Sims. Michel Colonne. Ok. Pff, oh, sérieux. Il n'y avait même pas Michel Platini. Oh, c'est les vieux qui recherchent, en fait. C'est un truc de vieux. Quoi offrir à sa copine? Sa femme? Sa mère? Son père? Non, non. Sa grand-mère. Hein? Un homme! À Noël? Ah ouais, pas con. À son copain. Mais sérieux, il y a sa copine, son copain. Mais j'y ai pas pensé. Son père, j'ai fait sa mère. Pas son père. Voilà. Sa meilleure amie, ses parents. Sa maman. J'ai fait sa mère. Et. Oh, il chipote vraiment. Non, je le croyais intelligent, mais non, en fait, non. Il reste 6 manches. 1600. Bon, ça va. Qui est la superficie de. La tour Eiffel. Non. De Paris? Ah, je suis bête moi. La superficie de la tour Eiffel. Je sais pas si. De Lyon? Non, de Marseille. On va faire les villes. De Lyon? De la France? Bah oui, de l'Espagne, de la Chine. Après, c'est que des pays, tu vois, il n'y a que Paris. De la Chine, de la Russie, de l'Allemagne, la Corse, l'Europe, ok. Ok, bon, j'ai gagné 600 points, c'est déjà ça. Photo de voiture de collection. Eh ouais, le talent. Attendez, il n'y a pas deux ailes. Collection. Si, il y a deux ailes. Hein, même pas. Photo de voiture de course. Ah. Photo de voiture cassée. Non. Cassée. Non, il n'y a pas. Je suis sûr qu'il y a un mot du même genre, mais. Ah, photo de voiture de plastique. Mais non, ça se dit pas. Photo de voiture de location. Y a même pas de luxe, ok? De police, de sport. Pff, course et sport, rallye, pompier, gendarme, tuning.
Police, gendarme. Ça chipote trop. Ça chipote trop, je suis désolé. J'aime mon frère. Mon copain. Hein, même pas. Mon père. Hein? Non mais sérieux, j'aime mon... qu'est-ce que... J'aime mon mari, mon ex, mon pays, mon prof, mon chat, mon chien. Non mais sérieux, mon... j'ai mis mon père et c'est mon papa. Oh là là, mais ça chipote trop, je vais faire que dire ça. Oh là là, et en plus, Jack... c'est un arrêt de bus chez moi, donc je vais mettre Jack Coeur. Jack... Jack... Jacques. Voilà. Jacques Brel, Jacques Chirac. Oh, mais oui, merde. Jacques Dutronc, Jacques Higelin. Jacques. Jacques Chan aussi. Non, je sais pas. Ok, je me barre. Je me barre, blague de merde. Jacques Vabre, avec leur Jacques là. Le mec, gros, le gros rageux en fait. Comment s'habiller pour un mariage? Un enterrement? Je sais pas comment ça s'écrit, hein. Oh, je l'ai bien écrit. Beau gosse. Spier pour un... une soirée. Allez! Hey, je vais faire un putain de score grâce à ça. S'habiller pour... une fête. Non. Bon, bah, j'aurais tenté. Un rendez-vous. Même pas! Une crémaillère. Mec, j'ai pas comment ça s'écrit donc on va l'écrire comme ça. Truc trop moche. Un entretien. Ah ouais, aller en boîte. Oh, j'y ai pensé. J'ai dit pour, mais ça. Pour la rentrée, pour un baptême. J'ai fait le mariage, l'enterrement, j'ai pas fait le baptême. Un premier rendez-vous. J'avais fait rendez-vous, je sais pas. Ah, mais sérieux. Ah, ça va. Ah, ça m'énerve. J'aime pas qu'on me vole comme ça. On me vole complètement là. Je suis désolé. Est-ce que le soja est bon? Est-ce que le soja est allergène? Je sais pas comment ça s'écrit. Oh merde, j'ai mal écrit. Et est-ce que le soja se mange? Ok, fin. Et je finis sur un zéro pointé. Et bon pour la santé, fait grossir, constipe. Contient du gluten, accélère la repousse des poils, fait grossir la poitrine, se congèle, rend stérile. Ok, moi j'aurais jamais trouvé ça. Donc voilà, c'était un petit jeu tranquille, on va dire. Assez cool, avec des coupures, hein, bien sûr, pour éviter que la réflexion soit trop longue. Et bah voilà, je crois qu'il y a tout là-dedans. Ouais, bah. Voilà, bon, vous inquiétez pas, je ferai mode normal et mode difficile plus tard. C'est facile, ça lag pas et tout, pour une fois qu'il y a un jeu qui marche bien sur mon ordi. Donc oui, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, un petit pouce bleu, comme d'habitude, un petit commentaire aussi, un petit partage et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Donc, si c'est le cas, si vous faites ça, bah, vous êtes les meilleurs, bien sûr. Et bah sinon, on se dit à une prochaine fois, une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Allez, ciao!